j'espère que vous allez bien, c'est les tirs, on se retrouve pour la partie 3 de cette ouverture de display. On a ouvert des trucs de folie, je sais pas si vous étiez avec nous hier, mais c'était un truc de dingue. Donc voilà, donc si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas, la petite suggestion juste au-dessus, allez voir la vidéo juste avant, c'était un truc de dingue pour pas vous faire spoiler. Voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Aujourd'hui du coup on va prendre 9 nouveaux boosters, donc il en reste 18 là, voilà. C'est des 18 derniers. On va en ouvrir 9 aujourd'hui et on ouvrira l'autre partie juste après. On a ouvert aussi également en live, parce que si vous ne le savez pas, je suis en live les après-midi à partir de 14h en règle générale, 13h30, 14h. Je suis en live sur YouTube. On discute ensemble, on joue au JCC Pokémon online. Vous pouvez venir me défier également, donc c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Hier, grâce au don, on a ouvert une Elite Trainer Box. La vidéo va arriver parce que j'ai été obligé de refaire une vidéo de ça, puisque on a fait une ouverture tout simplement de dingue. Donc merci encore à tous les sponsors de la chaîne, merci beaucoup. Que vous dire de plus? En fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'un petit concours qui est organisé en ce moment. Donc si vous avez un petit peu le temps, si vous avez des enfants à la maison et que vous voulez participer à un concours avec des lots qui sont très sympathiques, et ben je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Donc il faudra pas hésiter à regarder ça et à aller sur Instagram pour pouvoir participer. Allez, du coup au hasard, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et normalement il en restera 3, 6, 9, c'est ça. Tac, que je mets de côté et qu'on ouvrira dans la prochaine vidéo. C'est parti, on y va, on commence. Alors, toc, je suis en train de regarder, j'ai bugué 2 secondes, je suis en train de regarder ce qu'on avait comme illustration. On va les trier, voilà, hop, voilà ce qu'on a. Donc on a 2 Ronflex, on a 3 Loclass, on a 3 Zamazenta et 1 Zacian. On va faire 1, 2, 3, voilà, tac, c'est parti. On s'ouvre ça tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Allez, on y va, c'est parti. Let's go, on commence avec l'illustration de Zacian pour ce premier booster. Allez, tac, le petit code online qu'on utilisera sur les lives. Allez, c'est parti, premier booster du jour, énergie sombre, échange, récupération d'énergie, c'est ça, à flamme noire, je crois que je ne l'ai pas, c'était une des cartes qui me manquait, il me semble, je la mets de côté. Kéléocroc, Larvadar, Rhinocorn, Poulpaf, Poissirène, Scalproie en reverse et un Fermite en rare. Je mets ça de côté, il ne manque plus grand chose en carte normale, on va dire. Il devrait en manquer 4 ou 5, donc il ne manque plus beaucoup. Je mets ça de côté pour compléter le set, et je vous ferai une vidéo du Master Set si j'arrive à avoir toutes les cartes. Énergie plante, Bleuzeil, c'est pareil, c'est une carte qui me manquait. Megavolt, Linéon de Galar, Chinchidou, Goupix, Muna, Mounia, ça dépend comment vous voulez, Roselia, Kéléocroc, Canne ordinaire en reverse, et derrière en rare, un Crustabri. Toujours pas d'ultra rare dans cette ouverture. J'espère qu'on va au moins en avoir une quand même. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on est sur un display. Et sur un display, on a toujours un nombre minimum d'ultra rares. Alors, énergie psy, trio piqueur, dame du centre Pokémon, récupération d'énergie, Roselia, Fantominus, Scalpion, on a eu le Scalproie juste avant, Gripate, Voltoutou, Marakachi en reverse et en rare un Pyrobut en holo, magnifique, magnifique le Pyrobut holographique. Alors je crois que je l'ai déjà, mais je suis pas sûr. Dans tous les cas, si je l'ai, c'est pas un souci. Les holos, il doit m'en manquer quelques-unes, donc ça pourra faire partie d'un échange. Allez, on reprend. Voilà, le petit coup de fil du matin, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on reprend avec un Krabi, Wistempo, Thiboudet, Hoot-Hoot, Watapic, Canne ordinaire en reverse. Alors,
Je sais pas ce que ça. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Le fenard, ça tombe bien. Je ne l'avais pas en rare. Du coup, j'avais pas fait le 1, 2, 3, 4. Ok. Bleuzeil, Super Bowl et Potion. Voilà, donc j'avais pas fait le 1, 2, 3, 4. Donc c'est comme ça. Allez. Ensuite, on continue. 1, 2, 3, 4. Là, on est dans le bon sens. C'est parti. Énergie, combat. Noacier. À flamme à noir, écusson métal, je crois que je ne l'ai pas non plus. Je crois que je vais compléter mon truc. Il me manquait 4 cartes, je crois que je l'ai complété là. Fantominus, Scalpion, Grillipat, Voltoutou, Poulpaf, Munia en reverse, pardon. J'ai bugué parce que il y a une petite carte ultra juste derrière. Donc c'est la 104 sur 202. Et c'est donc Régirock. Régirock, c'est une carte que j'ai déjà. Donc elle va aller avec les doubles. Régirock V, on a déjà. Elle va aller avec les doubles, avec le petit Victini également. Qui était un double. Allez, on continue. On continue. C'est quand même pas mal. On a quand même une ultra rare, même si c'est une carte que j'ai eu déjà. C'est pas grave. Allez, énergie, combat. Lapiro. Je vais trop vite. Super bonbon. Béprine. Dunaja. Chinchidou. Goupix. Munia. Et donc, décidément, celui-là. Roselia. Poulpaf en reverse. Et derrière. Oh, nice. Alors, ça, c'est une carte qu'on n'a pas. Le Berserk 4. Berserk 4 de Galar en holographique, très jolie carte, voilà, très très belle. Cette petite holo qui fait plaisir parce que ça va venir compléter également la série. Je remets hop l'autre holographique avec, comme ça, je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti, il nous reste donc 3 illustrations de Loclass à ouvrir en espérant avoir une ultra aujourd'hui. En plus qu'une carte qu'on a déjà, ça serait bien. 1, 2, 3, 4. Parce que là, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, on a eu 1, 2, 3, 4 ultra rares seulement. Donc 4 ultra rares. Il nous en resterait au moins 2 dans le display. Alors, Bleuzeil, Megavolt, Linéon de Galar, Poulpaf, Doudouvet, Kéléocroc. Rhinocorne, Minisange, en reverse, un Loclass, et voilà une petite ultra. Alors la 139 sur 202, et attention, yes, ça c'est cool, ça c'est cool. Zamazenta V, je crois pas qu'on l'ait celle-ci, elle est très très jolie. La petite Zamazenta en carte V, ça c'est plutôt cool. Je dis, je crois que je ne l'ai pas parce qu'en fait, il me semble qu'on en a ouvert et qu'on en a eu sur le JCC Online. Et du coup, je ne sais plus si c'est celle-ci ou pas. Voilà, donc deux holos pour le moment et deux cartes V. Ça, c'est plutôt cool. Il nous reste encore deux boosters à ouvrir. Avant d'ouvrir ces deux boosters, je vais vous parler du coup du petit concours. Donc c'est encore un concours organisé par PCA, en association avec moi-même et MOA. Je vais essayer de vous mettre son lien dans la description. Sinon, vous allez juste sur Instagram. Vous avez toutes les modalités du jeu. C'est un concours qui est très très simple. Et il y a des petits cadeaux sympas à gagner. Vous prenez une feuille A4, vous dessinez vous et votre Pokémon favori. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand dessinateur pour réussir à faire quelque chose de sympa. Vous vous dessinez vous avec votre Pokémon préféré. Vous taguez tout le monde sur Instagram, donc obligé d'avoir Instagram. Vous taguez tout le monde sur Instagram et on fera un vote des meilleurs dessins le 7 avril, je crois. Je dis peut-être une bêtise, hein, attention. Hein. Mais début avril, en tout cas, on décidera du gagnant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur PCA Grade sur Instagram et vous avez la description complète du jeu concours. Et c'est toujours sympa, on a le temps en ce moment, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, on s'ouvre maintenant les deux derniers boosters. Et si on a un peu de chance, ok, celui-là il veut pas, si on a un peu de chance, on aura peut-être une nouvelle ultra rare. Allez, 1, 2, 3 et 4. Voilà, on arrive quand même à compléter un peu notre série, donc c'est plutôt cool. Allez, énergie métal, Arrosar, canne ordinaire, Trévis, Larvadar,
Rhinocorne, Poulpaf, Poissirène, Roselia en reverse, un Doudouvet, et derrière, un Noirfang en rare. Dernier booster de cette ouverture. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et activer la cloche des notifications, un petit pouce bleu avant de partir, et c'est parfait. On y va, dernier booster de cette ouverture, énergie électrique. Œuf, chance, mouflon, trio piqueur, je vais trop vite, larvadar, rhinocorne, chinchidou, loupio, cradopo, un poulpaf en reverse, et derrière, pas d'ultra, mais un Gouroutan en holo, ça c'est cool, donc je l'ai déjà, le Gouroutan, je l'ai déjà, et je crois que je l'ai déjà en double aussi, donc c'est le troisième double, mais c'est une très belle carte. Donc voilà, donc on a eu une très belle ouverture, on a quand même trois holos, trois cartes holographiques, et deux cartes ultra rares, donc on a le Zamazenta en carte V, on a le Regirock qui va aller avec les doubles, un petit Pyrobut en holo, un Gouroutan holo également, et un Berserkat de Galar en holo aussi. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et mettre un petit j'aime ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Merci. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.